Actuellement, on a des images quasi en direct du génocide des Rohingyas. Et je vois que personne ne bouge, donc c'est impressionnant. On a toutes les images, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, on n'est pas au courant. Ça nous arrive quasi en direct. Et je suis écœurée de voir toutes ces atrocités faites de par le monde. Depuis 1982, les musulmans de Birmanie n'ont plus de nationalité. C'est devenu un peuple apatride. 2,5 millions de citoyens sur 53 millions n'ont plus de nationalité. Et l'ONU ne s'en occupe pas. Et les 57 pays musulmans non plus. 300 000 déplacés, 6 500 morts, des corps brûlés, déchiquetés, des femmes violées. C'est inacceptable. Surtout lorsque l'on sait que la Premier ministre a obtenu le prix Nobel de la paix en 1991, c'est inacceptable de laisser un pays exterminer cette population musulmane qu'on appelle les Rohingyas. Je suis un Rohingya. Je suis solidarité avec mon région. Pourquoi? Le 25 août, le Kumasi, la militaire nettoyage ethnique en Rohingya. 2600 maisons, il est brûlé. À peu près 3 jours, passé de 3000 les hommes les tués. Je suis là tout simplement pour venir soutenir le combat pour aider les Rohingyas. Voilà, en tant qu'être humain, je trouve ça tout à fait normal de venir les soutenir parce que c'est vraiment atroce ce qu'ils vivent. C'est vrai que les dernières actualités sont vraiment tragiques. Donc c'était important pour nous de venir à cette manifestation. C'est vrai que le lundi, c'est pas évident de mobiliser du monde. En revanche, samedi, il y a une plus grande manifestation qui est prévue à 14h au Trocadéro, où là, vraiment, on a mobilisé tous nos contacts, les réseaux sociaux, etc., pour justement envoyer un message aux médias, à la communauté internationale, pour montrer notre désapprobation de tout ce qui se passe en Birmanie. Il est clair qu'aujourd'hui, l'urgence est de créer une zone de sécurité définie par l'ONU. Et si l'ONU ne veut pas le faire, il faut que l'Organisation de la coopération islamique qui réunit 57 pays musulmans à Jeddah puisse se réunir rapidement et adopter une résolution pour envoyer des soldats de la paix en Birmanie pour défendre ces populations musulmanes de Birmanie. Moi, je ne crois qu'au mouvement du peuple. On est 99% de la planète. C'est à nous de nous lever. D'ailleurs, si vous regardez mon carton qui est en dessous, voilà. Mon message, il est là. Pas uniquement pour les Rohingyas, mais pour toutes les saloperies de par le monde. Et Dieu sait s'il y en a. Il n'y a que si nous, on décide de dire stop, il y en a marre de toutes ces saloperies, que les choses peuvent changer.